Merci, merci beaucoup. Non, non. Non, ça va passer. Tout ce que Dieu fait, bon, ça commence à aller. Merci, mon frère, merci, merci, hein. Merci. Vas-y. Vas-y. Moi, pourquoi pas toi? Je te dis. Pourquoi moi, pourquoi pas toi? Oh, vas-y. Sois fort, voisin. Sinon, voisin, t'es pas là. Oh. Sinon, toi-même, tu me connais. Mon affaire de chalet funérailles déjà, il était pas là. Je suis allé faire mes achats à Lomé. Ton beau aussi, mon mari, il allait en mission à Cotonou. On m'a dit ça. C'est pour ça. Donc, j'ai laissé même mes bagages à la frontière. Il dit, bon, je vais venir voir les enfants. J'arrive, on m'annonce les choses. On dit, mon voisin en deuil. Donc, j'ai couru pour venir. Bien fait. Eh, voisin. Vraiment du courage. Tu sais, là, les temps sont un peu durs. Mon mari, il a laissé cet argent-là à la servante pour les enfants. Donc, il dit, non, je vais prendre. Il a donné à mon voisin. Okay. Voilà. Donc, voilà ça. Quand ton beau va venir là, on va venir ensemble. C'est 17 000. Hein. Oui, oui, c'est ça. Quand il va venir, il va compléter. Oui, on va venir avec lui. Lui-même, il a appelé, je l'ai appelé, je lui ai dit. Sois fort, voisin. Je suis fort maintenant. Maintenant, là, à Paris de maintenant, je suis déjà fort. C'est bon. Mais comment s'est passé le funérailles? Ah, en tout cas, le funérailles, ça s'est bien passé. Ah, vraiment, les gens du quartier étaient bien. Les funérailles se sont passés. On dit le président qui est mort. Oh. 10 bâches. Aïe. Non, les gens du quartier, vraiment, ils ont bien fait. Il y a eu orchestre qui était à Lomé. Orchestre qui était à Porto Novo. Il y a orchestre même pour Cotonou, là même, là. Deux orchestres. Les digestions qui étaient à Bigan. Non, c'était bien. Ah, là, c'est bien. C'était bien. En tout cas, c'était bien. Vraiment. Mais surtout le chanteur, là. Johnny Lafleur, quand il chantait, puis il regardait sa photo. C'est bon. Du calme. Du calme. Du calme. Mais comment il est mort? Ah, vas-y, là, là. Là, il est mort. Accident, accident. Accident. Tu vois le grand carrefour là? Oui, oui. Je vois au groupe de personnes. Attroupement comme ça. Gendarmerie, police, les pompiers. Vas-y. Hélicoptère comme ça. J'ai dit, ah, c'est que ça. Moi, je me suis dit que oh, c'est un cas qui est tombé. J'ai serré ma voiture net. Les gens m'ont attrapé. Ils savaient que c'était pour moi. Oui, oui. Voisine. Il dit non, laissez-moi, je ne veux pas me tuer. Il y avait deux militaires qui m'ont attrapé pour venir voir si effectivement c'était pour moi. Je me suis approché, voici. Quand il y a vu la bâche noire, voici, quand il y a vu la bâche noire là. J'ai soulevé la bâche, voici. Quand j'ai vu sa queue, la queue de mon chien Milou, aïe 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 aïe, ça pouvait me tuer, Milou, sa queue, vois-tu la mienne, waouh, waouh. Non, de côté. C'est à cause de Milou, tu pleures. C'est à cause de Milou, tu me fais pleurer. C'est à cause de Milou, les 17 000 francs qui sont restés pour la papa de mes enfants, j'ai pu venir te donner. Aïe. De côté, toi tu es un escroc. Moi escroc. Donne mon argent. Attends. Moi escroc. Oui, donne mon argent. Dans le quartier, attends. Dans le quartier, là, on n'est pas dans l'association. Quand il y a décès chez vous, là, je cotise. Pour une fois, décès, Dieu merci, décès arrivé chez moi, là. Ah bon? Pour nous, c'est pour l'homme, c'est pas pour le chien. C'est l'homme qui meurt. Milou, en fait, l'homme, c'est la même chose. Quand Milou vous suivez ici dans le quartier, vous dormez. Donne mon argent. Je donne rien. Yeah.